C'est l'histoire d'un père et sa fille. Ils se trouvent sur le bord d'une falaise. T'aurais pu le faire pour moi. Elle veut sauter et lui, il veut la retenir. Papa, il veut pas. Il va faire comment? Tout le monde a le droit de partir quand il veut. Sauf moi. Sauf ma fille. Moi, je m'étais jamais posé la question avant de ce que je pensais vraiment du suicide, voilà. Et puis en fait, je me rends compte que je suis tout à fait d'accord avec Yann, à savoir, c'est quand même un acte de liberté, de... Personne n'a demandé à naître, donc ce droit-là fait partie de nous, quoi. Quand un enfant meurt, tu perds un morceau de toi, quoi. Et donc ça guérit pas. Et donc tu replonges dedans, donc tu replonges dans la douleur, en fait. Donc. Mais je pense que c'est pour tous les créateurs comme ça. Ton histoire, elle va être chiante. Non, 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 non. Elle va être mélo. Détends-toi. Il y aura du suspense. Elle veut plus te voir. De l'action. Ça, vous êtes pas fait mal? De la danse. Ah, de l'animation. Du cul. Gauche. Droite, Yann, droite, droite. Il est rock'n'roll. Ça veut dire maintenant, tout est digital quand on filme maintenant. Alors, on peut le refaire et refaire et refaire. Yann, parfois, on le fait une fois et puis... Ah, voilà, on l'a. Et puis toute l'équipe disait, on va le redoubler. Ah ben, est-ce qu'on l'a? Oui. Ah ben, on ne redouble pas, on l'a. Allez, on y va. Quelqu'un va éternuer pendant qu'on fait une scène. L'ingé son commence à paniquer. Non, il va falloir recommencer parce que tu comprends. Et Yann lui répondait, mais tu n'as rien compris à mon cinéma, enfin. Mais dans la vie, on éternue, alors pourquoi on ne peut pas éternuer dans un film? Et j'ai trouvé ça, quand j'ai compris qu'il fonctionnait comme ça, j'ai dit, ah oui, ça va être particulier ce film. Non, je voulais un style de mise en scène aussi qui m'est propre, c'est-à-dire qui vient de la bande dessinée. Donc je ne fais pas des gros bazars. Hein. Donc je veux être sur le sujet, dans la case, dans le cadre. Et le cadre est parfois... ce qui se joue dans le cadre et l'apport de l'acteur, pour moi, c'est ça qui est important. C'est une vraie belgitude dans le sens où... Ce flamand qui veut conquérir la Wallonie, moi étant bruxellois, mais j'ai une grand-mère de chaque côté de la frontière linguistique, il m'a autorisé à parler borin dans le film, donc c'est juste ça très drôle. Il y avait vraiment ça, quoi. Il y a la beauté des paysages wallons, il y a l'espèce de nostalgie des cafés d'Harolbeek. C'est un film dans lequel je pourrais complètement habiter, parce que je me sens profondément chez moi. Non, tu les trouves, mes fesses. Il faut du temps. Pas des génies incompris comme toi pour être reconnu. Lolo, mais moi je vois pas de Lolo, hein. Ici je vois des Lolos. T'as des autres amoureux. Et des amoureuses aussi. Tu sais que j'ai couché avec Iggy Pop. Ça va plus marcher entre nous. C'est un trou de banque, un pauvre type. Papa? 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 J'essaye pas de faire croire qu'on est dans la réalité, quoi. Donc c'est pas un truc réaliste. Tu ne mens pas aux gens, quoi. Tu ne fais pas faire quoi? Il y a 10 morts là, mais enfin, c'est du faux sang, quoi. Dans les films, on voit la voiture arrive, elle trouve tout de suite une place de parking, tu vois. Et... Normalement, il faut les faire tourner pendant 10 minutes, tu vois. Merde, on n'a pas de parking. Et puis finalement, on dit à l'étranger, bah oui, les Belges, c'est quand même pas mal. Alors que finalement, on est peut-être une dizaine à déconner, quoi. Mais quoi que tous les Belges sont comme ça, mais c'est bien. Ça ouvre des portes. J'aime toujours bien aller sur les plateaux de tournage parce que il faudrait que j'arrête, mais j'y vais toujours comme un cinéphile. Que j'ai l'impression qu'on m'invite comme ça à regarder ce qui se passe. Et puis, de temps en temps, on me dit action et je dois passer dedans, mais je suis quand même comme un enfant. Le tout premier film que j'ai fait, c'est Madame d'Amanda Sterz. Et au maquillage, le premier jour, je suis à côté d'Hervé Kettel. Donc, si vous voulez, mon entrée dans le cinéma était plutôt... J'étais là comme un gosse, je dis, est-ce que je lui demande un autographe ou pas? C'est quand même Bad Lieutenant, putain. Le mec, il connaît Scorsese, on pourrait appeler Scorsese, il a son 06. Je me disais comme un dingue. Et de l'autre côté, il y avait Rossi de Palma. Je dis, mais il peut appeler Almodovar. Et moi, j'étais là comme un gosse, à regarder les deux là, à me taire. Le cinéma, ça va très lentement, parce que l'image doit être grand écran. Ça prend du temps
pour arriver à tourner. Et comme ça, comme comédien, tu as le temps de préparer, de te concentrer d'une façon qui est énormément raffinée et fin. Et parce que c'est grand écran, tout ce que tu donnes comme comédien, ça prend tout. Si j'ai pu aussi au moins finir ce film, arriver jusqu'au bout du tournage, c'est grâce à Wim Wilaerts, avec qui j'ai fait quasiment toutes mes scènes, qui est... en fait, moi, j'avais qu'à le regarder presque. Ce mec, c'était un monstre de talent. Je l'ai pas vu réfléchir une seule fois. À mon avis, c'est ça être acteur aussi, c'est que on doit être, quoi. Je n'ai aimé que toi. Tu sais rien de moi, papa. C'est la merde comme partout, mais on est belge, donc on n'a pas besoin, on n'a pas une structure lourde, on n'est pas un grand pays, donc on peut en jouer, quoi. On a une permission de jouer, mais c'est un hasard. Hein, et je pense que c'est notre force, de regarder comment on est manipulé, d'essayer de tordre tout ça, les mots, les phrases, les images, on est très fort là-dedans, en fait. C'est notre particularité, et je pense que c'est ça qu'il faut développer pour ne pas faire des films français, quoi, ou américains.